Alors voilà, mes amis, j'ai appris cette fameuse ligne pour pouvoir vous apprendre à lire les partitions de rythmique. Là, on est toujours sur la caisse claire. Et là, c'est une autre manière d'écrire. Ce n'est pas juste les cinq lignes et puis la caisse claire, elle est au mieux. C'est une seule ligne. Et puis, ce qui est en dessus, c'est la main droite. Et ce qui est en dessous, c'est la main gauche. Et nous allons apprendre les rats de cinq. Alors moi, je l'ai fait encore détaillé parce que je suis une débutante, mais il y en a plein qui savent faire des vrais rats de 5. Alors ceux qui savent faire des vrais rats de 5, ils font des vrais rats de 5. Ceux qui sont comme moi, débutants, vous faites détaillé. Alors, je fais la première ligne. C'est la série qui s'appelle série A. C'est toute la ligne, hein. Elle est en deux quarts, cette série. Alors, comme je vous dis, moi, je joue du tambour muet, donc je tape comme ça. Comme vous, avec vos batteries, mais je tape à la version tambour, comme ça. Alors, 3, 4. Flam. Non, je vais d'abord le faire sans parler parce que c'est tellement compliqué que je vais d'abord le faire. 3, 4. Oh. Allez, je recommence. Bon, je recommence. Voilà, ça c'est la série. Alors ça donne Fla, rat 5 détaillé. Fla, Fla, rat 5 détaillé. Coup, Fla. Maintenant, Fla, rat 5 détaillé. Fla, rat 5 détaillé. Fla, rat 5 détaillé. Coup gauche, flat. Et puis le but, c'est de tourner en boucle. Voilà, et vous faites, et vous faites, et vous faites, et à la fin, ça va faire un rat 5 complet. Mais moi, j'en suis là. Voilà, faites cet exercice, entraînez-vous, les amis, et puis demain, je vous ferai l'exercice numéro 2. Bonne journée à vous, bon samedi, bon week-end.